Dis-lui shalom. Alléluia. Dis-lui shalom, shalom. Sois dans la joie ce soir. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Dis-lui shalom, mon frère. Shalom, mon frère. Dis-lui shalom. Alléluia. Bien-aimé, tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je sais que tu aimes le groupe musical. Cette acclamation-là, c'est pour eux. Alléluia. Tu vas acclamer le roi des rois, le Dieu tout puissant, le ressuscité, le lion de la tribu de Juda, le Dieu qui s'élève, le Dieu grand, le Dieu des feux, le Dieu roi des fils, le roi et l'homme de terre. C'est lui qui est le roi de moi, c'est lui qui sait, c'est lui qui gagne, et comme le roi, c'est lui qui est tout puissant, c'est lui qui sait, jamais, c'est lui qui prétient. Jésus,
te retrouves à la meilleure place ce soir. Amen. Tu te retrouves là où il faut que tu sois ce soir. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Avant d'entrer dans le vif de la prière de ce jour, vous savez, il y a la réalité spirituelle dont vous ne devez jamais vous déconnecter. Vous devez avoir à l'esprit que même si ce matin tu t'es levé et que les oiseaux ont chanté devant toi, même si tu t'es levé et que tu es allé dans tes activités, même si tu t'es levé et qu'il n'y a pas eu la guerre dans le pays où tu es, mais le monde spirituel est en mouvement. Le monde spirituel est un mouvement perpétuel, est un mouvement sans cesse. Si tu n'as même pas les yeux pour toi, mais il faut le savoir. Alléluia. Si tu pouvais voir combien de fois la main de l'Éternel était autour de toi toute cette journée. C'est seulement tu pouvais voir combien de fois il y avait un feu qui t'accompagnait partout où tu passais. C'est seulement tu pouvais voir combien de fois la présence de Dieu te suivait partout où tu passais. Lorsque tu allais venir au milieu de l'assemblée des saints, tu allais te mettre à adorer le Dieu de tout ton corps, de toute ta chair, de tout ce qui est dans toi. Alléluia. Tu allais te rouler par terre. Tu allais donner tout ce que tu as en toi pour lui dire merci. Alléluia. Bien aimé, au stade où nous sommes arrivés aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu ont un problème avec la prière. Plusieurs enfants de Dieu, jusqu'à présent, ne comprennent pas le mécanisme de la prière. Plusieurs pensent que la prière, c'est juste bavarder. Plusieurs ne savent pas que derrière la parole qu'ils annoncent, il y a une puissance qui s'écrit. Alléluia. Est-ce que tu sais prier? 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 Si tu dis Amen, ça veut dire que tu sais prier. Alléluia. Qui sait prier? Pourquoi tu fais comme ça? Tu sais prier un peu, mais pas trop. Qui sait prier? Alléluia. Qui ne sait pas prier? Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons regarder dans la profondeur de la prière. Nous allons regarder dans la profondeur de la prière. Et tu vas comprendre pourquoi, lorsque le moment de prière commence, l'atmosphère semble être classée. Comme ce soir, ça semble être froid. Ça semble être classé. Mais ils perdent leur temps. Parce que nous sommes des flammes de feu. Et partout où nous foulons les pieds, nous descendons avec le feu. Partout où nous mettons les pieds, nous mettons les pieds avec le feu. Alléluia. Nous allons transformer tout à l'heure cette atmosphère en une atmosphère de presse de chapeau de feu à temps. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. En tant que, qu'est-ce que c'est que la prière? Si on te pose la question, toi qui es chrétien, toi qui prie tous les jours, en réalité, qu'est-ce que c'est que la prière? Et qu'est-ce que tu vas répondre? La prière, c'est quoi? Oui. C'est votre âme que vous utilisez tous les jours. Donc vous devez savoir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la prière? Les gens, oui. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Tu dis d'abord, ça veut dire qu'il y a un deuxième. D'abord, c'est communiquer. Mm-hmm. Dans quel contexte? Voilà, c'est une prière de combat. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'il y a différents types de prières. Mm. Alléluia. Amen. Donc, être prié, c'est communiquer avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire quelque chose d'autre?
Prier, c'est faire quoi? Prier, tu veux dire quoi? Oui. Prier, c'est se rapprocher de Dieu. Alléluia. Troisième intervention. Oui, maman. Prier, c'est être en contact avec Dieu. C'est être toujours avec Dieu. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je vais apprendre à prier. Amen. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier. Aujourd'hui, apprends-moi à prier. Aujourd'hui, aide-moi à comprendre la force de la prière. La puissance qui est cachée. Derrière la prière. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que vous avez dit est correct. Prier, c'est élever l'âme. Élever l'âme vers Dieu. C'est exprimer à Dieu son approbation, sa vénération, ses remerciements, ses actions de grâce. Obtenir soit des grâces, soit des faveurs. Soit c'est un acte par lequel on s'adresse au Saint, c'est-à-dire à l'Éternel, pour obtenir l'intervention et leur intercession auprès de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque le Seigneur dit, le Seigneur Jésus dit, j'ai prié pour toi. Il disait aux apôtres à Pierre, il dit Pierre, Pierre. Satan t'a réclamé afin de te crier comme le fourmont. Mais j'ai prié pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu dis j'ai prié pour toi. Alléluia. Il a élevé son âme. Il s'est connecté à la présence de Dieu pour demander une faveur. Des attaques et des tentations du mandat que Satan s'est donné lui pour pouvoir s'en prendre à la vie de Pierre. Et dit, j'ai prié pour toi. Alléluia. Et c'est Jésus qui l'a dit. Et dans la parole de Dieu, il y a plusieurs exemples de prières. Les prières les plus puissantes. Ou prières de foi. Alléluia. Prenons le livre de Hébreux 9 à partir du verset 3. Quand on dit une prière, à qui on adresse donc la prière? À qui on adresse la prière? C'est à qui? C'est à qui on adresse la prière? C'est à Dieu, à Jésus. Est-ce que on peut adresser une prière aux anges? Tu ne réponds pas bien. Est-ce qu'on peut adresser une prière à Marie? Est-ce qu'on peut adresser une prière aux soi-disant saints? Saint Matthieu, Saint Marc, Saint André, Saint Barthélemy. Est-ce qu'on peut adresser une prière à ceux qu'on pense être saints? Alléluia. En d'autres termes, la prière s'adresse à qui? Prenons le livre de Deux Rois. Et pardon, un roi neuf, verset 3. Tu as un micro pour lui? Viens ici, tu vas lire. Un roi neuf. Verset 1 roi 9, verset 3. Alléluia. La parole de Dieu. Au nom de Jésus. Et l'Éternel lui dit. Et l'Éternel lui dit. J'exauce ta prière. J'exauce ta prière. La supplication que tu m'as adressée. Et ta
supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie. Pour y mettre à jamais mon nom. Pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, qui exauce ces prières? Et l'Éternel, c'est Jésus. Il exauce ses prières, mais il exauce aussi les supplications. Alléluia. C'est pourquoi on ne doit jamais adresser une prière ni aux anges, ni aux saints, ni à qui que ce soit, car Jésus-Christ seul. Car c'est lui qui exauce. Alléluia. Faut dire Seigneur Jésus. Aide-moi. Aide-moi. À ne pas me tromper. À ne pas me tromper. Et à ne jamais adresser de prières. À ne jamais adresser de prières. Ni aux anges. Ni aux anges. Ni aux esprits. Ni à qui que ce soit. Même à Marie. Oh Dieu de gloire. Dieu qui exauce les prières. Seigneur Jésus, aide-moi à exaucer tout ce que je te dis, à te parler de tout mon cœur, à dire des supplications devant ta face, au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas adresser de prière aux anges. Apocalypse 19 à partir du verset 10. Même les anges qui sont avertis refusent qu'on commence à les adorer. Ils refusent qu'on les adore. Ils refusent qu'on les prie. Ils refusent qu'on les adresse des prières. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Oui, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit. Mais il me dit. Garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Celui de mes frères qui ont le témoignage de Jésus. Tous ceux donc qui ont le témoignage de Jésus. Encore Dieu. Nous qui sommes les anges, nous sommes leurs compagnons de service. Si pour toi, tu es le compagnon, tu non, si pour toi, tu gardes le commandement de Jésus, le témoignage de Jésus, et que tu as un seul témoignage dans ta vie, ça veut dire que à ta vie et à ton âme est attaché aussi un ange qui est désormais ton compagnon de service. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu le savais? Tu as à ton service des compagnons de service. C'est pourquoi plusieurs d'entre vous vont sentir que lorsqu'il y a une situation particulière où le monde des ténèbres va commencer à se lever contre vous, la nuit, au moment où tu te prêtes à te coucher, ou même tu es endormi, mais quand le danger s'approche, ton compagnon de service, sur l'ordre du Seigneur, te tape pour révéler les noms et tu te fais. Mais plus je ne comprends pas pourquoi je me suis réveillé, qui m'a touché, qui m'a réveillé. Oh, c'est pour te dire, fils de l'homme, toi et moi, nous travaillons ensemble en harmonie. Le temps est arrivé où nous devons faire les œuvres du Père. Lève-toi parce qu'il y a un danger afin que nous puissions. Et c'est en ce moment que, quoi que tu sois réveillé, tu récupères le drap, tu te remets là-dessus, comme si tu luttais le drap avec quelqu'un. Tu te remets au plus profond, comme si tu as envie de fendre le lit pour te lever au milieu du matin. Alléluia. Amen. Tu dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Les signes que tu m'envoies.
comprendre les symboles que tu m'envoies. Aide-moi à comprendre que le temps de la prière se déclenche au moment où tu me réveilles la nuit, au moment où tu m'envoies l'ange de tes lèvres, afin de me réveiller du sommeil et de prendre autorité dans le nom de Jésus. Alléluia. Il faut que tu comprennes ces choses. En d'autres termes, Apocalypse 22 à partir du verset 9.
Apocalypse 22, verset 9. Oui. Mais il me dit. Mais il me dit. Garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. C'est lui de tes frères les prophètes. C'est lui de tes frères les prophètes. C'est celui qui garde les paroles de ce livre. C'est pourquoi lorsque tu marches, tu n'es pas seul. Parce que en plus des compagnons de service, tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit au ciel. Après tu fais que le Saint-Esprit est là, tu vas te rendre compte aussi que le Seigneur lui-même il est là. Tu n'es jamais seul. Faut dire Seigneur Jésus. Mets dans mon cœur cette conviction que je sache toujours. Sache toujours. Que je ne suis jamais seul. Que je sache pour toujours. Que je ne marche jamais seul. Que je sache pour toujours. Mets dans les combats. Sauséra. Écoute bien cette histoire. Sois attentif.
Mets bien le micro, parle bien fort pour qu'ils entendent. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites. Oui. Il s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'entendait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme. Un ange de l'Éternel apparut à la femme. Et lui dit. Et lui dit. Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends garde, ne bois ni vin. Ne bois ni vin, man. Ni liqueur forte. Ne bois ni liqueur forte. Ne mange rien de pur. Ne mange rien de pur. Tu vas devenir enceinte. Car toi, tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point jusqu'à la tête. Ne lâche pas la tête de cet enfant. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Il est consacré à l'Éternel. C'est le fils de sa mère. Oui. Et ce sera lui. Ce sera lui. Il commencera à délivrer Israël. Il va délivrer Israël. De la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Elle n'a même pas détecté que c'était un ange. C'est-à-dire que lorsque tu vois un ange, il y a deux choses qui se produisent. La première chose, il peut apparaître avec tous ses attributs de gloire. Comme lorsque Corée a vu l'ange, il était déterminé. Lorsque Marie a vu Gabriel, elle ne pouvait même plus ouvrir la bouche. À la limite, si elle pouvait fuir, elle avait fui. Lorsque Zacharie a vu l'ange, il était troublé. Ils peuvent choisir de venir et de se présenter avec leur vêtement de gloire. Mais aussi, ils peuvent décider de prendre simplement l'apparence de l'homme et de venir simplement. Et c'est ce qui est arrivé à moi. Quand Manoach a vu l'ange, il dit que c'était l'homme de Dieu qui m'a parlé. Mais en réalité, c'était l'ange qui t'aimait. Alléluia. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, les profondeurs spirituelles te poussent toi à toujours garder la parole de Dieu, à veiller sur ta conduite. Souviens-toi, si tu t'as rendu avec quelqu'un, regarde, il te cherche dans tous les aspects, il n'arrive pas à te prendre. Mais il voit que en toi, tu as la haine contre quelqu'un, tu as la colère à cause de ce que cette personne t'a fait. Il va utiliser l'image de cette personne. Prends son aspect, entre chez toi et salue. Tu vas refouler le Seigneur. Tu vas le chasser. Tu vas lui sortir de chez toi. Toi, je t'aime pas. Toi, je ne peux jamais te pardonner ce que tu m'as fait. Oh, tu n'es pas en train de parler à celui que tu connais. L'Éternel est venu te tester. Alléluia. L'Éternel est venu te tester. C'est pourquoi tu dois faire en sorte que tu dois garder la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle lui ne verra Dieu. Alléluia. La femme alla dire à son mari. La femme elle dit à son mari. L'homme de Dieu est venu vers moi. Oui. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect véritable. Oui. Et un aspect qui est véritable. Il lui a pas demandé d'où il était. Oui. Il n'avait pas fait connaître son nom. Il n'a rien dit de lui-même le concernant. Mais il m'a dit. Mais il m'a dit. Tu vas devenir enceinte. Tu vas devenir enceinte. Tu enfanteras un fils. Et maintenant. Et maintenant. Le roi n'y fait. Oui. Il n'y rien de plus. Oui. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Oui. Jusqu'au jour de sa mort. Jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Manoach fit donc cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Comme tu as envoyé vient vers nous. Que l'homme de Dieu que tu as envoyé vient encore vers nous. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauce la prière de Manoach. Dieu qui exauce la prière a exaucé à nouveau la prière de Manoach. L'ange de Dieu vient encore vers la femme. Dieu a exaucé cette prière en commandant à l'ange.
retourne vers cette table et parle de lui. Elle était assise dans le champ. Au moment où elle était dans le champ, Emmanuel, son mari, n'était pas encore avec elle. Elle courut promptement donc donner cette nouvelle à son mari. Et lui dit, l'homme qui était venu l'autre jour. L'homme qui était venu l'autre jour. Mais apparu. Qui m'était apparu. Emmanuel se leva. Il est encore venu. Suivit sa femme. Et suivit sa femme. Alla vers l'homme. Regarde ce que l'on fait. L'ange n'est pas impatient. Il ne dit pas, mais où est-ce que mais si c'est comme ça, je vais disparaître. Il est là. Et cette attitude en des anges est typique. Lorsque Gédéon avait rencontré l'ange, il lui a dit, si vraiment tu parles de la part de Dieu, reste ici, je vais chercher mon offrande, je viens te donner mon offrande et je sauverai. L'ange est là. Imagine le temps que Gédéon va aller poursuivre un capuche, attraper le capuche, le tuer, le enlever sa peau, le dépecer, faire la cuisine, emmener à l'ange. Ça peut être comme une épreuve. L'ange était assis, il attendait. Quand Gédéon a fini de faire tout ça, il est venu. L'ange était là. C'est pourquoi, quand le noir a vu l'ange, pour aller appeler son mari, il est là. Parce qu'il est venu donner un message, accomplir une mission. Alléluia. Manoah se leva. Manoah se leva. Suivit sa femme. Oui. Alla vers l'homme et lui dit. Lui dit. Est-ce que c'est toi qui as parlé à cette femme? Est-ce que c'est toi qui as parlé à cette femme? Il répondit. Il répondit. C'est moi. C'est moi. Manoah dit. Oui. Maintenant. Maintenant. Si ta parole s'accomplit. Si ta parole s'accomplit. Que faudra-t-il observer à l'égard de cet enfant? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec cet enfant qui vient? Et qui aura-t-il à faire? Oui. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah. La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vie. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vie. Elle ne boira ni vin. Elle ne boira ni vin. Force. Elle ne mangera rien depuis. Elle ne mangera rien depuis. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange. Manoah dit à l'ange de l'Éternel. Promets-nous de te retenir. Permets-nous de te retenir. Ne parle ça. Ne parle pas maintenant. Permets-nous de te retenir. Souvenez-vous, Jacob aussi, lorsqu'il avait rencontré l'ange, il a dit, il faut que je te retienne. Ne peut pas passer. Et la dit, nous allons te retenir. Alléluia. Amen. Nous allons te retenir. Oui. Je vais t'apprêter un chevaux. Oui. L'ange de l'Éternel répondit à ma voix. Je vais répondre. Quand tu me retiendrais. Quand tu me retiendrais. Je ne mangerai pas de ton mère. Non seulement je ne vais pas manger ce que tu m'as envoyé. Si tu veux faire une repose. Si tu veux faire une repose. Ce n'est pas moi que tu manques, mais offre-le à l'Éternel. Moi, je suis mon compagnon de service. Manoah ne savait pas ce que fut un ange de l'Éternel. Et il n'avait jamais vu un ange. Donc, elle ne pouvait pas imaginer comment il se comporte. Manoah dit à l'ange de l'Éternel. Oui. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Afin que nous rendions gloire. Afin que nous te rendions gloire. Quand ta parole s'accomplira. Quand ta parole s'accomplira. Ange, toi ange, on t'appelle comment? Quel est ton nom? Pour que nous puissions te rendre gloire. Et qu'est-ce qu'il va répondre? L'ange de l'Éternel. L'ange va lui dire. Pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi tu demandes mon nom? Tu connais votre Dieu qui est l'Éternel. Moi, pourquoi tu demandes mon nom? Il est merveilleux. Et il dit, il est merveilleux. Hey, tu ne connais pas le nom des anges. Tu ne connais pas le nom des anges. Celui qui te fait croire que les anges s'appellent Uriel, les anges s'appellent Ariel, les anges s'appellent Azaël. Mais ceux-là, ce sont les anges déchus. C'est les anges déchus qu'on trouve Uriel, Azaël, tous les LLL. C'est ceux qui
constitue les neuf pétanges de la magie blanche qui sont dans ce qu'on appelle la cabagie que l'Église catholique a adoptée comme magie. C'est pourquoi eux, ils étudient les neuf pétanges. Mais toi, enfant de Dieu, regarde-nous le nom de l'Éternel. Il s'appelle Merveilleux. Merveilleux. Lorsque tu prends le somme 23, il y a deux qui sont là-bas. Il y a un qui s'appelle la grâce. Il y a un qui s'appelle le bonheur. C'est pourquoi il dit, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours. Et je réviendrai dans la maison de l'Éternel. Toi, tu ne sais pas, mais la grâce est un ange de l'Éternel. Tu peux témoigner à Jésus. Attache à ma vie la grâce. Attache à ma vie le bonheur. Attache à ma vie merveille. Attache à ma vie élévation. C'est le nom des anges de l'Éternel. Ces choses-là, ça vient sur toi. Quand on te regarde, on sent ça sur toi. Mais on ne sait pas quoi on va te dire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est ce grand Jésus, ce grand Dieu qui a prévu toutes ces choses. Mais comme tu ne sais pas, la motivation à la prière te manque. Parce que tu ne connais pas les révélations qui sont cachées. Mais dans la prière de midi, quand tu commences à adorer avec une foi ferme, le mouvement spirituel qui se fait autour de toi, tu ne sais pas. C'est pourquoi quand la prière arrive, la paresse n'est pas. Mais si tu savais, quand on va prier, tu es le premier, tu es la première. Tu dis, Seigneur Jésus, au point où j'en suis, montre-moi le chemin. Saisis mon cœur. Remplis-moi le feu. Donne-moi une foi ferme. Une foi inébranlable. Remplis-moi de ton esprit. Dis en moi par ton Saint-Esprit. Conduis-moi dans chaque chose. Et que la prière soit pour moi. Et que la prière soit pour moi. Un moment de joie. Remplis-moi, de ton feu, de ton feu, de ton feu, de ton feu, de ton
vas connaître les nuances et les profondeurs de la vie. Prier ne sera plus pour toi une paresse. Prier ne sera plus pour toi une pompée. Prier ne sera plus pour toi une difficulté. Mais prier sera comme un jour. Sera comme du miel à tes lèvres. Alléluia. Voici donc l'exemple de Manoach que l'ange de l'Éternel a visité et qui m'a adressé une prière à l'Éternel. Et l'Éternel va répondre à la prière de Manoach en lui ramenant l'ange qui lui était apparu. Alléluia. Amen. Toi aussi, je prie que l'ange t'apparaisse. Au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur Jésus t'offre un ange qui est attaché à ta vie. Au nom de Jésus. Je prie que l'ange vienne comme il est venu à Marie. Au nom de Jésus. Je prie que l'ange vienne à toi comme il est venu à Cornel. Au nom de Jésus. Afin de te porter un message. Conformément. Au nom de Jésus. À tes yeux. Et que tu m'en éveilles. La puissance, la profondeur de la présence de Jésus dans ta vie. Au nom de Jésus. Cette prière n'est pas en vain. Alléluia. Amen. Continue. Manoach prit le chevreau et le frein et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Manoach sait que lorsque l'Éternel t'annonce quelque chose, il faut le sceller par une action de grâce. Oh. Faut le sceller par une action de grâce. Après que l'ange lui ait parlé, c'était fini. Hein? Elle pourrait dire que l'ange m'a venu et me donner le message. L'ange peut retourner. Non. En tant qu'enfant de Dieu averti, elle prend une action de grâce. Elle fait une offrande. Alléluia. Amen. Afin de sceller ce jour et que le sang se lève en témoignage. Oui. Il s'opéra un prodige. Au moment où elle a offert le frein, dès qu'elle a offert le frein, il y a un prodige qui s'est opéré. Pendant que Manoach et sa femme regardaient, au moment où ils étaient devant eux, ils étaient en train de dormir. Dès qu'ils ont déposé le frein, le repas, il y a un prodige qui va se produire. Et l'ange a eu une instruction d'agir et de fabriquer leur offrande. Et voilà ce qui va se passer. Quand la femme montait de dessus l'autel, c'est le débat sur l'autel de l'Holocauste. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme. L'ange de l'Éternel est descendu de la flamme. Il est descendu du feu. Il était dans le feu. À cette vue, oui. Manoach et sa femme tombaient la face en terre. Lorsqu'ils ont vu qu'il est descendu dans le feu et que le feu ne le brûlait pas, le feu ne brûlait pas ses vêtements. Le feu ne le touchait pas, mais le feu était comme quelque chose auquel il est habitué. Ils se sont rendus compte maintenant qu'on n'avait pas affaire à un homme ordinaire. Ce n'était pas en réalité un homme de Dieu, mais on était devant un phénomène incroyable parce que nous voyons en face de nous l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel n'a pas pu en Manoach. Ils sont tombés face aux terres. Et l'ange a disparu. Alléluia. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et c'est après son départ qu'il se rend compte qu'il se montrait un ange. Et il dit à sa femme. Et dit à sa femme. Nous allons mourir. Aujourd'hui on est foutu. Car nous avons vu Dieu. Un mari pleureux. Un mari pleurant. C'est pourquoi il est apparu au mari. L'ange est apparu à la femme. Parce que le Seigneur a vu qu'elle est même plus courageuse que son mari. Lui, il a commencé à pleurer. Ce que j'ai envoyé en foutu. Qui t'a dit qu'on voit les anges? Voilà que nous avons vu un ange. Nous avons mouru. Quand on te dit qu'il faut prier doucement, voilà la prière. Alléluia. Et maintenant, je te dis. Oui. Sa femme lui répondit. Sa femme lui répondit. Si l'Éternel lui voulait nous faire mourir, si l'Éternel devait nous tuer, il n'aurait pas pris de nos mains le repose que nous faisons. Il n'avait pas accepté l'offense. Et il ne nous aurait pas fait pouvoir. Et on n'allait même pas pouvoir voir
pour dire ce qui a eu lieu avec l'ange. Continue. Et il n'aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Oui. Sa femme enfanta un fils. Sa femme enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samson. Elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit. L'enfant grandit. Et l'Éternel le bénit. Et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Alléluia. Amen. Toi aussi, il faut que tes prières soient des prières qui poussent le trône. Il faut que lorsque tu ouvres la bouche pour prier, le trône de l'Éternel est en mouvement. Secoué comme Daniel. Daniel qui a, pendant 21 jours, mobilisé toute l'attention de l'Éternel. Au point où il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Daniel? Michael, va voir. Alléluia. Amen. Est-ce que toi, quand tu te lèves dans la prière, est-ce que le ciel se sent obligé d'accomplir et d'exaucer ta parole? D'accomplir et d'exaucer tes supplications. Comment tu fais pour ne pas mettre le Seigneur en mouvement, en ta propre faveur, non pas pour moi, mais pour toi-même? Alléluia. Amen. Depuis combien d'années tu vis sur cette terre? Depuis combien d'années tu pries? Depuis combien d'années tu parles à l'Éternel? Mais comment se fait-il que tu lui parles tous les jours et tu ne peux pas bloquer son attention? Quand l'homme dont l'attention a été captivée par les anges qui sont venus jusqu'à lui pour lui porter le message. Nous allons détruire cette vie. Sors d'ici. Comment toi, tu fais juste aujourd'hui pour ne pas dire l'Éternel te prépare ses yeux. Comment tu fais ça? Alléluia. Amen. Comment tu fais ça? Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la prière n'est pas quelque chose avec une âme avec laquelle on présente nuit en jour. La prière est une âme puissante qu'il faut préparer sérieusement. Alléluia. Amen. En tant que tel, est-ce qu'on peut se lasser de prier? Est-ce qu'on peut se fatiguer de prier? Si tu ne comprends pas, oui, tu vas te fatiguer. Mais si tu comprends, tu ne te fatigues pas. Regardez par exemple. Un chauffeur de Wanawara qui sait qu'à la fin de la journée, il y a une recette à faire. Même s'il est fatigué, il est dessus. Parce qu'il comprend ce qu'il fait. Mais toi qui prie, si tu ne comprends pas ce que tu fais dans la prière, tu vas te fatiguer parce que tu ne sais même pas ce que c'est. Alléluia. Amen. Pour le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. De comprendre les profondeurs de la prière. De comprendre les profondeurs de la prière. Et savoir la prière que je fais. Savoir la prière que je fais. Viens de toi. Viens de toi. Donne-moi l'Éternel. Donne-moi l'Éternel. Tous les attributs. Tous les attributs. Tous les avantages. Tous les avantages. Je te plais. Je te plais. Et te paraître saint. Et te paraître saint. Irréprochable devant ta face. Irréprochable devant ta face. Et que ma prière. Ma prière ne soit pas une abomination. Mais ma prière soit efficace devant ta face. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi tu dois prier? Prends le livre de Jacques 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Jacques 5. Jacques 5, verset 12 à 16. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sur le jugement.
Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? À quel moment on prie? Premièrement, lorsqu'il y a une situation de souffrance. Or, toi, lorsque la souffrance arrive, c'est l'occasion où tu as maintenant de devenir muet. Ça me fait trop mal. On me dit, si c'est bien, il ne peut même plus parler. Je suis dépassé. Et or, lorsque la souffrance arrive, c'est maintenant toutes tes qualités et tes catégories de prière vont sortir. Mais toi, quand la souffrance arrive, il s'est attaqué. Je suis perdu. Je suis perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi cette qualité. Donne-moi cette qualité. De ce bon moment où la souffrance apparaît. De ce bon moment où la souffrance apparaît. Ce soit pour moi. Ce soit pour moi. L'objet de prière. L'objet de prière. La motivation à la prière. La motivation à la prière. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Au moment où il y a la souffrance. Au moment où il y a la souffrance. Que je sois motivé. Que je sois motivé. Que j'ai envie de prier. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus a vu la souffrance, il a senti, il a dit aux apôtres, il dit, le moment vient, je suis triste juste dans mon âme. Il dit, je suis triste juste dans la mort. Je vois ce qui arrive. Je n'ai même pas de force pour ça. Il les a prêchés. Il est venu. Restez ici. Ils étaient à chaque semaine. Ils s'est passé. Il a fait ce qu'il a. Mais lui, la volonté du Père doit s'accomplir. Il faut prier pour que tout se passe. Mais toi, permets ton vocation au commissariat. Toi, tu es le don. Mais lui, il a pas tout ça à faire. Lui, il connaît tous ceux qui sont grands dans le pays. Ça va à l'évocation. Alléluia. Pourquoi la souffrance arrive? C'est maintenant que je veux. Pour le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me lève de moi. 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 Quelqu'un est-il de la joie?
puissance pour chaque personne. C'est qui vous permet de prier. C'est qui parmi vous. C'est qui parmi vous. C'est qui parmi vous. C'est qui parmi vous. Après le chrétien de l'église. C'est qui parmi vous. Et que la prière prie pour lui. On lui a prié au nom du Seigneur. Oui. La prière de la foi. La prière de la foi. Il a envoyé le malade. Il a envoyé le malade. Le Seigneur est le Seigneur va le relever. Et si la commis a péché, si la commis a péché, il sera pardonné. Le péché sera pardonné. Et vous faites pour pécher la joie de Dieu. La joie pour pécher le péché. Priez la joie de Dieu. Priez la joie de Dieu. Afin que vous soyez des. Afin que vous soyez des. La prière de Dieu. La prière de Dieu. Si vous êtes une tasse. Est-ce que vous êtes une tasse? Amen. C'est le Jésus-Christ. Amen. Ils sont pas dans les épreuves. Amen. Quand tu es Jésus, parce que quand tu es Jésus, tu vas produire des choses. Et tu vas le faire, tu vas le faire, parce que tu ne sais pas la combattre. Et là, tu vas le faire. Dans les synagogues, au coin des rues, au coin des rues, on est dans la maison. Tu viens avec, tu viens passer en ville, ils sont en train de prier. C'est comme ça. Ils ont parlé de la rue. La parole de Dieu est plus comme des hypocrites. Parce que même s'ils sont attachés à un maraboutet tous, même humain, quand ça ne va pas, la nuit, mais qu'à plus si l'être dans la suite. Ils ont dit que c'est ça. Alléluia. Marchez. Ils vont venir marcher. Avec l'un de vous. Alléluia. C'est pour le socialiste. Et quand ça chauffe, c'est comme si on se compte. Et nous, on dit je suis scorpion, je vais te dire. On dit, t'es bien là, c'est quoi? Si tu es ici, je suis prêt que tu sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour consulter les as. Sois délivré par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Si tu es même des choses, c'est comme si ton carnet d'adresse. Félicite au nom de Jésus et que tu sois délivré. Amen. C'est tout compte de révélation. C'est bien. Au moment de la sortie, félicitons au nom de Jésus. Amen.
Quand il y a un mouvement, quand il y a une souffrance, quand il y a une joie, quand il y a un problème, tu dois faire quoi? Priez. En paix, papa. Priez, c'est clair. Mais pourquoi c'est difficile à créer? Pourquoi c'est simple à dire? Alléluia. Amen. Est-ce que je dis assez compliqué? C'est que le Seigneur nous enseigne que c'est compliqué. Mais pourquoi c'est difficile à créer? Qui a déjà trouvé que la prière est difficile? C'est pour quelqu'un. Si tu veux que tu gagnes, ça. Les démons seront hérités. Pour jamais monter ça, sinon on va te chercher. Qui trouve que la prière souvent devient difficile? Qui trouve que souvent la prière est difficile? Qui trouve souvent que la prière est difficile? C'est toi-même. Comment ça se fait? Comment ça se manifeste? Tu n'arrives même pas à prier. Comment, toi, chez toi, comment ça se manifeste? Tu veux que tu te brûles. Donc, s'il y a quelque chose qui te gêne, comme s'il y a quelque chose qui t'empêche de venir, pour plus la conscience. Donc, autant que tu peux prier, c'est difficile. Mais est-ce que tu sens une prière du cœur? Est-ce que tu sens aussi le sommeil? Est-ce que ça te fait aussi comme ça? La montée du sommeil. Le sommeil est saisi, comme si c'était pour lui. Mais il est tout seul. Priez, la voix est saisie. Alléluia. Priez, la voix est saisie. Priez, doit être un moment de manifeste, un moment de choix. Prenons le livre de Matthieu 26. Matthieu 26. À partir du verset 36. Matthieu 26, à partir du verset 36. Si j'oubliais, je ne sais pas. Si j'oubliais, ton amour. Si j'oubliais, ton grand amour. Thank you.
Thank you.
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Ne sois pas surpris que tu vois la nuit, ou la nuit, ton couvrir.
Ils t'en diront de sa présence. Ils t'en diront de sa présence. Ils t'en diront de sa présence. Ça sera ton père et moi qui va sortir de l'église. Et toi qui va toucher des idées. Et charge de l'homme qui va t'arrêter. Il va renouveler en toi par son alliance. Il va poser sur toi.
chercher ma mère, mes chants. Je parle pour les choses. J'allume le feu dans ses mains. J'allume le feu dans ses mains. J'allume le feu dans ses mains. Il a commencé à brûler. Ce feu continue. Ce feu brûle. Ce feu brûle. Ce feu brûle. Père, augmente le feu. Augmente le feu. Augmente le feu. Augmente le feu. Saint-Esprit, augmente le feu. 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 Quand il sera en train de piller, ça sera du feu de partout. Quand il sera en train de piller, ça sera le feu qui va descendre partout. Quand il sera en train de piller, ça sera le feu qui va détruire le monde de la sorcellerie. Le monde des ténèbres. Maintenant, ce manteau sale qui était sur elle est arraché, est déchiré. Compagnon de service, maintenant, enlevez-nous le vêtement sale. Enlevez-nous le vêtement sale. Déchirez ce vêtement sale. Jetez-le au feu. Jetez-le au feu. Jetez-le au feu. Nous ne pouvons pas résister maintenant. Que tu refuses de la guerre. Et tout est fait, je peux le passer. Au nom de Jésus. Et le sang de Jésus, nous sommes pour nous. Le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus est là. Daniel, dans le son, le son est là-bas. Le sommeil de la punaise va te faire le combat. Sors de la punaise.
Nous revenons sur le feu. Nous revenons sur le feu. Nous revenons sur le feu. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Sortez d'elle. Sortez d'elle. Sortez d'elle. Retournez dans les abîmes. Retournez dans les abîmes. Allez-vous-en. Prenez tout ce que vous avez déposé en elle. Ça ne vous appartient pas. Elle appartient à Jésus. C'est pourquoi nous commandons. Souviens le feu. 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 Thank you.
son âme sort, son âme sort de cette puissance spirituelle. Son âme sort maintenant, son âme sort maintenant. Voici son âme qui part, voici son âme qui sort. La main de l'Éternel te saisit, la main de Jésus te fait sortir, la main de Jésus te fait sortir, la main de Jésus te fait sortir. Et maintenant, le feu descend, 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 le feu, 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 le